Pour mieux comprendre le fonctionnement de l'appareil étatique, la société civile, les organisations non gouvernementales, pour poser les vrais problèmes du pays, identifier les contraintes, les défis à relever, Radio Nationale présente chaque dimanche, référence à cet espace, toutes les questions d'intérêt national sont débattues. Référence, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Nationale. Bonsoir tout le monde Cap Côté et Radio Nationale d'Haïti. Nous sommes bien contents ensemble avec vous pour nous présenter l'émission référence jeudi. Je viens de la guerre sur console là, dans le micro André Kodige, qui a présenté l'émission ça. Comme invité, nous avons avec nous un confrère, un collaborateur, tout, puisque nous avons parlé de Radio Télévision Nationale d'Haïti. C'est M. Jean-Serge Gignot Lindor, qui certainement passé des présentations pour le monde qui a fait média en Haïti. Serge Gignot, n'a pas salué. Merci d'être accepté de répondre à l'invitation aujourd'hui. Nous saluons ODG, nous saluons toute l'équipe Radio Nationale d'Haïti. Merci à l'équipe référence là. Je suis content pour m'avec vous aujourd'hui. Nous allons parler. Nous obligés de parler. Et puis, si c'est des médias, nous allons parler de la presse, nous allons parler de la télévision nationale d'Haïti, côté où même moi je suis le directeur d'information depuis quelques années. Et puis, nous allons parler de Radio Lumière, tout, qui n'est pas active. Non? Fonctionnement institution ça et certainement li pas trop pour nous demander qui nous y eh bien même si c'est pas une question toi me répondre ça me t'a dit rapidement j'en souligne l'andi moi c'est Serge Gignot Lindor moi travaille pour télévision nationale d'Haïti année ça fait 15 l'année depuis m'a porté contribution par moi et dans niveau média l'état ça. Moi, rentré TNH on nous dit en mai 2004 suite à une invitation de Joël Loquet, que je profite de saluer. Et Joël Loquet était souhaité me présenter en émission évangélique, puisque nous avons pratique de travail ensemble à travers Radio Lumière. Et Joël était estimé que j'étais paré pour me faire une émission évangélique. Il était souligné à attention que le nouveau directeur général là, dans la période là, Jacques Price, Jean, t'es souhaité qu'on programme évangélique, qu'on bâille du genre ouvert, qui t'a qu'à bâille télévision, l'autre explosion, mais l'autre visibilité, surtout dans le secteur ça, en Haïti. Et là, maintenant, et puisque, dans le moment, ça m'a dans la deuxième année, dans la faculté sciences humaines, université de l'État, je travaille sur un projet d'émission évangélique, et je t'ai soumettre avec tout dossier, moi, dans la direction générale, là. Alors, après, je viens de faire soumission dossier, et déjà, dans le moment, il est moi, je dis, voilà, les projets, là. Li pral garder avec moi comment nous capable de faire que projet ça tourner en réalité soutien quoi. Elle dit que quand tout ton mécanisme j'ai besoin puisque si c'est mon cabine présenter le tout, faut que moi passe un petit test, faut que moi fasse une interview et faut passer tout devant caméra pour voir qui comment réflexion et cetera, surtout c'était première fois m'ta pral faire télévision. Puis voilà et Bobby Denis qui était consultant dans période là, t'a pral inviter moi pour entrevue, fait deux entrevues. Font qu'on passe un petit test tout culture générale et autres que je ça que me songer et puis après font un petit test devant caméra après 3 et on dit 4 exercices ça yo ils ont dit moi j'ai possibilité pour me faire stage. Alors on commence stage là on dit en juin 2004 stage là commencé et juin 2004 mal gardé la télévision était campé fait journal et après le reprendre journal là la mi-temps juin. Et c'était Sabine Jean, Étienne, avec Franz Salvador, qui après a gagné une bénédiction direction générale là pour journal. Bon, d'ailleurs, maintenant que son journal, ça va t'intéresser même tout d'ailleurs. Même si pendant tout stage là, c'était texte journal où t'as pu de faire à lire devant caméra. Et puis bon voilà, et journal là a commencé. Pendant le journal là fait, bonjour soir, directeur général là d'un côté me dit mon cher, te présenter et journal là me dit ben est-ce que me parais mal coûte réalisateur. Josué Dorfeuille,
son professionnel de l'audiovisuel, que je respecte en pile. Je dis, mon cher, puisque nous avons radio lumière ensemble, je dis, mon cher, relax. Je ne peux pas changer mon ami ta semaine. Ou bien, je peux continuer à apprendre toujours, etc. Je me dis, ok, fine, correct. Parce que je ne sais pas si je parler. Et puis, avant le journal a commencé, je me dis, ça. Et puis, dès que je me dis, je me dis, 12 euros à soir. Je dis, je me mal le maquillage, là, ça, il y a un présentateur qui était presque filmé, qui dit, font un camper, on va essayer de jouer chance à soir. Et puis, c'est comme ça que je commence. Non, bon, chance, un jour soir, en juin 2004. Et puis, qui fait que je fais 15 ans jusqu'à présent, je suis sur écran presque tout le temps. Et voilà, et c'est ça l'idée, c'est comme ça l'histoire, et mariage acte NH l'a démarré, et Radio Lumière lui-même c'est en 1994, là moi j'étais toujours l'école classique, d'aller participer dans l'émission Timoun, qui est les foyers des petits, et avec Maurice Dimanche, et là j'ai fait l'émission Timoun, je chantais les ça, et monsieur Dimanche, j'ai été avec moi. Je sais pas de connaître, je me dis ok, chaque samedi, ma tête m'a tout été très intéressée à Radio Lumière, son pancotiste. Et puis il dit, faut la bombe comme machine, fait menem, ça me bat de cabral pour contre moi. Et sorti de la montée 54 à côte plage 16. Et puis voilà, et mal dans l'émission 1, et me grandis, et moi viens de l'autre responsabilité, l'autre émission vient de joindre moi, et puis jusqu'à ce que je vienne employer moi, et employer à, et je me dis, formel. Dans les années 98-99 et puis jusqu'à présent et toujours qu'une bonne émission sur Radio Lumière qui passait chaque samedi soir entre 9h et 11h qui est les leçons du samedi. Voilà en gros ça me capable dit et puis au niveau académique j'aime te dire tout à l'heure là fréquenter l'université d'État via faculté des sciences humaines option communication sociale et puis récemment j'ai suivi un programme à l'université Kiskeya. On programme un an, maîtrise en journalisme, et j'ai eu un privilège, fait stage et académique dans Voix de l'Amérique, et Washington DC, dans le service créole là, avec les amis nous, Ronald César. C'est génial, sur le côté formation qu'on a gagné, est-ce que depuis avoir grandi, ou tu as un penchant pour les médias? Bon, je suis penchant venu avec l'expérience que j'ai commencé à faire dans Radio Lumière. Parce que, bon, comme tout jeune haïtien, ou tu souhaité être médecin, n'est-ce pas? Mais là, je commence Radio Lumière et je m'a côtoyé des gens comme Romel Pierre, Jacques Maurice, et Audrey Cole, Loupson Jeffra, n'est-ce pas, et m'a tant de Negio, Kapale, Carline Michel, n'est-ce pas, Maurice Dimanche, Sylvain Exantus qui s'est connu à président de la Fédération Protestante. Et puis, je viens pour un goût pour radio, je viens pour un goût pour médias, je me dis pourquoi pas. Et parents, je viens comprendre ça tout, et maman particulièrement. Et puis en troisième, puisque chaque vacances d'été, mon la quand était toujours souhaité, moi font activité pour me pas passer temps à jouer seulement. Là c'est pas anglais, c'est espagnol, là c'est pas espagnol et sont leurs activités. Et puis en troisième, songe maman m'était suggéré, moi t'ai demandé qui ça me devait aller pour vacances. Et puis t'ai en séance d'expression orale et technique d'animation radio, là ça c'est équipe radio Caraïbes là avec Brigand Anderson qui t'a fait. Puis il me dit voilà, je la donne. Et puis voilà, pour moi. Et là, ça m'a rencontré Brad Anderson, qui était lui-même tout dit, mon cher. Et après un devoir, je me suis fait une femme. Je me suis dit, mon cher, vous avez un talent pour faire radio. Il me dit, oui, je commence mon expérience radio. Il me dit, je souhaite continuer. Et puis c'est là. Et puis après, Philo me dit, mais sciences humaines, oui. Je suis composé dans le droit. Je suis sur liste d'attente dans le droit. Mais sciences humaines, c'était bon. Des résultats ont été bail. Je me dis, pourquoi pas. Et puis voilà, sciences humaines, communication sociale. Et c'est comme ça, bon Dieu, fait route là avec nous, jusqu'à ce que je vous dis, et nous étions toujours à évoluer dans les médias, nous avons des contributions, nous, si petites que liées, mais nous, quoi, nous faisons ça capable, et nous continuons de travailler pour nous porter plus dans l'intérêt et la grande majorité. Avec qui ça a expérience à mener? Nous menons à comprendre le monde bien, nous menons à comprendre le pays à bien, nous menons à comprendre que Haïti est un pays difficile. Les menem à comprendre que chaque jour qui joue, nous besoin un travail pour nous renforcer tête nous. Les menem à comprendre que nous autres qui dans radio, dans télévision, nous avons une responsabilité parce que en pile là nous coin en pile là monde qui attend des cap garder nous coin nous. C'est vrai, il était plus dans le temps les pour que les réseaux sociaux parce que dans le temps les radios deal c'est vrai, c'est pas pour sans raison le matin tu as un slogan que TNH va reprendre quand le matin le dit c'est vrai, quand la TNH le dit c'est vrai. Et oui, c'est tout ça le permettre là, c'est notion crédibilité.
Absolument, d'ailleurs, ou pas qu'à faire métier ça, sans crédibilité. Et chaque fois que crédibilité a remis en question, ou suspend son air. Et ça, message là, risque pas toucher le monde que le doit toucher, et risque pas atteindre public cible. Là. Alors, quoi, sans crédibilité par les médias, sans crédibilité, les journalistes là, ils suspendent ça, l'IA, ils travaillent, l'IA, ils quand même remettent en question. Passage ou dans TNH, puisque toujours là, je me dis passage, ou bien on dans la télévision en quelque temps. D'abord, moi, je côtoyé comme directeur d'information de la télévision nationale d'Haïti pendant certaines époques. Et à l'époque, où t'es présentateur des journaux. Et, t'as comme l'impression, il y a un délai chaque fois qu'il y a une activité que vous faites, une présentation, une émission que vous faites, un journal, c'est Serge Nolendo. C'est comme si, où t'es venu une plaque tournante. Mais, entre présentateur des journaux avec directeur information, qui j'en ouais, transition ça. Plus responsabilité, profiter, souligner pour mon cap garder, cap tendre. Et effectivement, vous êtes côtoyé moi et c'est une expérience profitable, une expérience enrichissante. Il faut qu'on dise pour mon cap garder, cap tendre que pas qu'on est. André Marco Dige, c'est son jeu de la vie, il n'est pas vieux. Mais son acteur qui campe le rigueur. Et je pense que c'est une principe que n'est pas capable de négliger leur fait métier ça. Alors on travaille avec ODG et je voulais que vous bailliez le meilleur de vous-même. Et chaque fois bah, la pas fine correct, je fais ça pour le faire, pour l'assurer que lui correct. Alors ça c'est une détenue à souligner ça. Alors, de présentateur de nouvelles à directeur de l'information, c'est quand même plus responsabilité. Plus responsabilité. Parce que je dis à la, ou gagne plusieurs dans collaborateurs, que c'est eux-mêmes qui gagne regard sur le travail qu'ils ont fait. Plus responsabilité parce que, qu'on y a là, l'édition de nouvelles, yo, pas par attend, ou bien pas arrivé, n'est-ce pas, recouvrir, ça, ou doit couvrir, c'est quand même, c'est moins ça vient pour eux. Plus responsabilité parce que je dis à la, et obligé, assure que, télévision, les répond par rapport avec ça vient comme mission, la question nouvelle. À attente communauté a. Alors là c'est quand même plus responsabilité dans tout niveau ça parce que l'MT présentateur nouvelle seulement j'ai seulement responsabilité pour m'assurer que ça me prend le dit sur télévision hein, ça me prend le fait yo les respecter principe métier a les pas déranger ligne éditoriale et média l'état yo et puis bon j'étais toujours en supervision j'étais toujours en directeur information qui lui-même et m'ta cap dire cap surveiller mais cap garder. Et qui à l'époque, vous n'avez pas de comprendre qui chale, qui chale LD. Ça arrivait. Ça arrivait, mais au fait, c'est vrai. Hein? Mais là, c'est différent puisque c'est moi-même qui obligé quand même de gagner toutes les responsabilités aujourd'hui. Hein? Et même si vous croyez que vous êtes tout à l'heure, je ne suis pas tout seul présentateur dans la période là. Même chaque espace côté mieux, bon Dieu, toujours bonne possibilité. Ça, que moi, ben, le meilleur de moi-même. Et une qualité que famille m'était toujours quoi que me doit gagner c'est loyauté n'est-ce pas et moi-même à tout directeur information que me collaborer tout directeur général que me collaborer au capable de témoigner si vous voulez en aucun cas pas jamais là pour moi déranger ça rien comme mission ça rien comme feuille de route que ce soit président de la République là-bas ou bien un directeur général là directeur général dans cadre directeur information président de la République dans cadre directeur général. Alors, moi-même là pour m'accompagner comme fonctionnaire. Et me toujours dit moi-même son fonctionnaire dans un moi. Ouais, l'idée pas c'est pas pour me bloquer, mais l'idée pas c'est pour me faciliter. Fonctionnaire dans un homme, dit que ça, c'est génial. Voulez dire que moi conscient de tâches que de engagement que me prend vis-à-vis de l'État. Pour moi, rendre moi utile par rapport à ça me vient comme compétence et par rapport à ça me vient comme qualification pour que ça moi de me faire c'est lui moi fait. Je ne suis pas là pour me déranger, je ne suis pas là pour m'entraver, je ne suis pas là pour me bloquer, je suis là pour me faire des résultats. Je suis là pour m'assurer que ça a tant de moyens de répondre effectivement. Je suis plus là pour que moi montrer toute disponibilité pour servir la communauté, pour servir le pays, pour servir le monde, n'est-ce pas vrai, que moi-même j'ai une redevance envers. Voilà, moi c'est ça l'idée, en plus que c'est média que m'a fait, et premier souci là, c'est répondre à attente téléspectateurs, répondre à attente auditeurs, je veux dire répondre à attente internautes. Alors, j'aime t'as dit tout à l'heure, et moi c'est ça l'idée,
moi j'ai toujours fait preuve de certaines disponibilités et qui vient faire que pas seulement présenter nouvelles dans la période ça chaque fois qu'on émission politique me songe me faire première émission politique moi en 2006 le ça avant campagne président René Préval campagne qui t'a pas mené président Préval sous pouvoir moi c'est sur le président Préval de regretter mémoire que me pas recevoir dans l'émission parce qu'il pas choisi dans la période là sous songe vienne dans média mais recevoir tout candidat et c'était quand même une expérience assez enrichissante et me très jeune à rencontrer tout leader ça et là me salue un monde tant Wesley Désir qui était servi de coach parce que moi je n'aime toujours aimé qui attire me comme tout c'est l'humilité et me prie mon Dieu chaque jour pour me toujours être humble quoi que me pas toujours contre toute bagaille et de fait me pas contre toute bagaille faut me apprendre surtout de monde qui a plus expérience passer mieux et me font belle route à Wesley dans niveau ça chaque fois par exemple son jour là me rencontrer le professeur Maniga me le aussi me dit aussi mon cher me professeur Maniga et généralement professeur Maniga fait mon père ou elle fait interview et c'est le premier interview ma professeur Maniga monsieur dit mon cher si tu as besoin qu'on dit un bon plan m'a voué plan bas monsieur garde plan monsieur dit si me t'aime corriger ça et puis monsieur expliquer me dit bonne histoire professeur a nous parler de passé professionnel il dit me ça le comprendre de et toute participation professionnel dans politique dans université etc et qui vient bon moins élément pour mener entrevue et qui t'a fait que tant bien que mal moi t'es arrivé jouer rôle moi comme monde qui t'a posé question dans période là alors c'est ça va la télé moi t'ai voulu toujours apprendre moi t'ai voulu toujours une pi bon moi t'ai voulu toujours connaître montrer que présence moi pas doit passer inaperçu en dans média l'état et puis qui vient fait que chaque fois gain direct chaque fois gain émission et je dis à arriver à un certain moment en 2013 et peut-être n'en parler de ça puis devant et direction générale dans moment ça t'as pas fait appel à moi pour me venir directeur information. Référence, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Nationale. Avec nous aujourd'hui, journaliste Jean-Serge Niolendo, directeur information télévision nationale d'Haïti, qui parle tout dans Radio Lumière, puisque c'est là qu'il fait début. Serge Junior, avant d'aller en poser, vous avez parlé des responsabilités de gagner des présentateurs de nouvelles avec directeur d'information. Responsabilité, ça, c'est l'on même avec qui est-ce? Envers PIA. Envers PIA. Parce que, comme média l'État, et c'est premier job là, c'est assurer que nous servis PIA. Oui, en plus que c'est mon yo, c'est des taxes qui collectent qui permettent que je vous dis à nous, nous capables de payer nous. Alors, il y a un capitaine d'or qui a dit c'est normal pour s'entourer de responsabilité, puisque comme directeur, il y a des privilèges, il y a des avantages pour gagner, qui est dans l'étape intermédiaire, va gagner, parce que c'est comme ça. Nous comptons pas. Mais au fait, il faut que je dise que l'État a dit, mais qui ça s'est demandé en termes de responsabilité, et par rapport à responsabilité, ça, mais qui ça a tout même au doué. Et c'est ça, moi, toujours. Dans prise de position yo ou bien m'a parlé en public ou bien m'a fait conférence nous toujours souligner ça pour moun yo je veux dire en pile fois dans pays nous aimer pour ben nous responsabilité mais nous surtout à chercher privilège qui marche à responsabilité sans que nous pas assumer responsabilité et avant émission t'a parlé ça avant moi nous autres au niveau de la télévision nationale nous autres au niveau de la radio nationale nous pas rien là nous là tout le temps. Et chaque fois ça m'a dit bon là nous là et même si nous pas physiquement dans station yo nous continuons à faire travail là. Me songe récemment en octobre le terrain tremblement de terre qui passait dans nos pays là ça gourmand de l'Antibonite touché en pile nous sommes dans radio pendant moi pas privé dans radio lumière moi va faire émission dans radio et puis pendant m'a passé coup plage moi mon petit gens bizarre puis me camper machine dans demander ça gien dit c'est terre sous tremblé mais moi me faire contact avec ingénieur petit. Et puis il dit effectivement la bombe plus information dans les prochaines minutes. Mais il dit mais qui côté qui t'apparaît touché, me fait contact à correspondant mieux. Mal fait émission radio lumière quand même. Mais après émission, m'oblige même moment passer TNH. Obligé passer TNH, le devoir m'appelle. Et c'est samedi soir, oui. Mais l'obligation de servir. Absolument. Et c'est ça un fonctionnaire. Et puis voilà, l'aimerive même moment me faire contact à directeur général, me relayer de toi mon équipe là, production information. Et puis mais moi, je me dis que je vais faire une émission spéciale sur la télévision. La salle de Gantin va à minuit. À minuit, je prends antenne. Mais avant de prendre antenne, nous assurons que nous organisons l'équipe. Nous, même soirée, à 11h45, nous avons une équipe nouveau Egomon, nous avons une équipe Port de Paix.
nouveau équipé dans nord au cap haïtien pour aller fournir garder pour aller bousquer information. Mais entre temps moi-même ça me fait obligé rapidement prendre antenne à minuit prendre antenne. Je parle avec l'ingénieur Prépetit en direct, je parle à député Gaumont en direct, je parle avec deux trois correspondants dans la zone qui était par les plus touchés. Pour me capable assurer que le pays a mon capitaine média l'État à niveau ça, parce que c'est là, n'est-ce pas vrai, il y a tant de nous, yo connecté, yo informé. Pourquoi c'est ça va là? Alors l'idée d'abord pour nous c'est servir mounio, l'idée d'abord pour nous c'est accompagner mounio, l'idée d'abord pour nous c'est tendre tout ça au penser de ça à faire. Et nous ouvrons à n'importe qui critique lui. Et c'est vrai que je dis à mounio critiquer pour critiquer. Mounio critiquer parce que yo pas mes formes tête X ou yo pas mes formes tête Y ou bien yo pas dit ça ou te souhaité dire. Mais même critique ça pas déranger pour nous entendre. Et arriver à partir de yo, faire nos idées de qui ça travaille nous en représenter je dis à. Et puis ça doit changer pour nous changer, ça doit rectifier pour nous rectifier, ça doit améliorer pour nous améliorer. Le quoi c'est ça bah là yé. Nous pas jamais quitter l'orgueil plein tête nous pas jamais quoi nous gain science infuse, nous pas jamais quoi nous fin connaît même quoi que jodi a avec surtout technologie information à communication yo feedback là paraît plus évident et sous base feedback ça yo nous garder nous apprendre nous tendre et puis ça pour nous faire même si Jean Lafontaine dit bien quel que soit l'effort déployé vous n'arriverez jamais à plaire à tout le monde, l'important c'est de bien faire et laisser dire. Comme présentateur, parfois après présentant une nouvelle, on va estimer telle nouvelle date doit passer. Mais pour X raison, le directeur d'information, c'est lui qui a un droit de veto sur lui. Mm-hmm. Il dit information ça va mettre de ce côté. Mm-hmm. Peut-être pour X raison, on a vérifié l'information d'abord ou bien on a cherché une autre voie. Mm-hmm. Nous voulons faire équilibre. Je dis au directeur d'information, est-ce que pour ça qu'on y va, pour ça on a plein autrefois, on trouve notre situation aujourd'hui? Alors, est-ce que je me plains ou pas, ou bien plains toujours? Généralement, comment ça fait? Et moi-même, toujours gagné une franche collaboration à directeur d'information de gagner, François Jean-Philippe, Yves Paul Léandre, ou même André Marco Dige. Communication était toujours très fluide, était toujours gagné un espace plutôt ouvert pour me discuter, pour m'échanger, parce que au fait déjà dans la salle de rédaction, c'est vrai qu'on dit peut-être des faux, c'est vrai qu'on rédacte chef, c'est vrai qu'on secrétaire rédaction, mais en fait on c'est des journalistes et comme journalistes nous capables toujours garder ensemble comment pour nous approcher feyo de telle sorte que public là les joignent des informations que nous joignent par rapport avec ça qui a passé, que ce soit dans la politique, dans l'économie ou autre. Moi-même à nous dire un niveau pas nous pas quoi c'est. Comment ça y est? Généralement, nous travaillons avec les collaborateurs nous, via réunion de rédaction chaque matin. Et c'est là toute discussion au fait. C'est là tout problème posé. Son espace, nous toujours aimé dire ça, est très démocratique. N'est-ce pas? Sujet au vini, invitation au vini. Si nous prenons l'institutionnel net, nous prenons l'institutionnel net. Nous ne prenons pas l'institutionnel en nous essayant de garder, par exemple, pour vos journées femmes. Gon collaborateur qui te font proposition dit bon voilà pour qui ça pour ne pas gagner des femmes qui en pile fois nous cap fait des métiers qui réservés à monsieur proposé pour te font bail sur une dame qui est siwa de botte hein son font reportage son femme qui a plus que 60 ans hein? Qui travaille la terre qui vive Jacques Mel et puis elle quitte la ville elle quitte zone côté le fait là zone cap rouge elle vient Jacques Mel. OK. Et puis c'est souliers nettoyer. Son expérience intéressante. Pas plus que semaine passée, nous t'ai alloué une dame qui lui-même à partir de vieux caoutchouc parce que Marie c'est un garage et puis il transforme le caoutchouc en meuble. Salon, salle à manger et cetera. Chaise pour chita. Oui. Alors ça encore c'est deux conférences de rédaction, ça a découlé. Il pas semaine ça comme des droits là où on a participation active. Oui on capable dire ça grand ensemble de jeunes je dis à qui intégré et salle des nouvelles là salle de rédaction télévision monsieur Damio voulait produit voyez yo, et puis fois tout on dit j'en voulait pas trop entrer dans question politique yo, ouais même si ou pas qu'à négliger yo, quand même ils ont pas importante dans la vie nous n'est-ce pas
mais yo vle tout à ce que volet social là on certaine présence dans l'édition de nouvelles ouais et même j'en a parlé de X n'a parlé de Y de monde qui gagne une certaine notoriété ou bien notoriété certaine si vous voulez mais si machin tomate sur côté à tout nous besoin garder ça là pour nous besoin qu'on réalité tout nous besoin comment elle vivre ça t'a attiré attention pendant dans master une dame qui trouve une vente nous pistache chaque matin et puis bon là nous te gon devoir pour nous te font portrait et puis on nous dit on faut pas la madame ça là pour qu'on secret la ville chaque matin la bonne pistache et puis c'est là nous font petit parler avec pour tendre madame ça comment arriver avec petit verre pistache la vendre la marché vendre il arriver faire éducation parce que deux à trois petit monde qui je dis à une des médecins une ingénieur qui ont quitté l'autre bagaille avec petit pistache là construire la ville il construit la ville mais en pile fois nous pas connait dans pays en média yo t'as qu'à servir pour parler parce que si tout nous dit son société pas un trop modèle si tout nous dit société je dis à côté l'honnêteté tourner en perle rare gros somme de monde je dis à qui malgré difficulté la vie malgré problème de toutes sortes qui rive fait tête yo yon place de choix sans yo pas gagner rien pour sans pour reprocher tête yo ka gade tout un ange yo ka di je dis à ça yo vle dans respect bien entendu l'autre là parce que yo construit la vie yo avec en pile difficulté et puis yo rete honnête yo rete correct alors là encore c'est peut-être média alors quoi c'est surtout ça et même si mal dans question politique récemment dans conférence de rédaction et puis n'a regardé après passage sur secrétaire dans question politique États-Unis hein, et puis n'a regardé qui a regardé quelques acteurs et puis un journaliste ils font remarque ils disent dans situation ça on ça ne pas chercher parler avec ancien sénateur tant que Jean-Victor Anacassis et puis voilà il y a un journaliste qui entend qui est responsable qui fait contact et puis nous le sénateur aussi ou dans bureau li et puis il parle avec le sénateur Anacassis quand même c'est une voix de l'opposition et voilà alors c'est pour dire que c'est ça l'idée c'est et c'est ça moi même une bonne comme priorité qui en plus pas fait excès de langage média oui, exactement mais c'est ça c'est pour ça Noël c'est rivé fait que journaliste yo capable yo même tout dit mais ça vous voulez parce que au final à la fin de la journée l'édition nouvelle la passé il reflétait travail nous toutes l'elle passe bien c'est nous toutes qui prend crédit mais elle passe mal c'est nous toutes qui prend crédit c'est vrai que le premier responsable a sous dos oui mais quand même c'est la salle des nouvelles c'est le travail d'une équipe voilà. Et télévision c'est radio c'est ça lié il faut ne pas jamais négliger ça en tant que tel pour télévision nationale d'Haïti où on travaille comme directeur information assurément il y a des flèches qui viennent sous tout le temps il y a des monde qui veulent parler dans la télévision ou bien pas parler est-ce que il y a des gens qui posent des questions, il y a des gens qui ne peuvent pas parler, ils posent des questions pour Radio Nationale. Moi-même, surtout, je suis toujours tenu compte des discours. Donc, on me dit à l'île pour d'abord informer, il faut le former tout. Ouais. C'est ça. Donc, je ne pas dire n'importe qui ça dans les médias. Et si on parle, il faut qu'on parle. Et si on va dire, est-ce qu'il aide à construire la société? Qui j'en recevoir flèche? Mon cher, l'homme de fait démarrer comme responsable, il y a des gens qui dérangent. Avec le temps, je finis par comprendre que j'aime t'avoir dit tout à l'heure, certaines fois, on nous critique pour critiquer. Oui. Ou bien, on nous critique parce que ce n'est pas eux là. On nous critique parce que c'est ça. L'idée, c'est ça. Mais j'aime t'avoir dit là, lorsque critiquer, c'est des critiques constructives qui permettent que médialita, n'est-ce pas vrai, renforcer. Qui permettent que média l'État corrige ça de corriger parce que ça pour nous toujours songer j'aime te dire lien et vous t'ai souligné tout à l'heure à tout dehi n'a pas travaillé pour communauté maintenant ça qui arrivé tout communauté a remarque pas il faut entendre et les on fait remarque qui arrivé si remarque c'est pas des remarques méchantes ce que des monde là c'est pour détruire ouais l'idée c'est casé c'est détruit c'est fin avec monde et c'est là moi joindre nous pas capable prendre micro radio caméra télévision pour nous l'ouvrir pour nous détruire pour nous assassiner caractère moun pour nous faire méchanceté et c'est peut-être une là qui dérange avec les réseaux sociaux parce que tout le monde parle sous yo et tout le monde dit toute bagaille certaines fois sans filtre certaines fois sans souci pour vérifier sans et souci et belle fois ton média traditionnel authentifié ça veut dire et c'est dommage or nous même dans niveau média traditionnel yo nous gain en pile outils dans main pour nous capable de vérifier pour nous garder authenticité ba yo. Malheureusement, bah on est avec l'idée de faire scoop, etc. Et nous avançons, nous avançons n'importe qui gens. Alors moi, je crois que est-ce que nous qu'a dit, nous ne parlons pas, nous ne parlons pas, les gens qui veulent parler.
nous très ouverts. Si on a un message pour le faire passer, si on a une parole que le fait passer, et nous sommes très ouverts. Et c'est normal, c'est du job média à l'État pour l'accompagner tout secteur, hein, généralement quelconque. Tout le monde dans le niveau payo, toute sphère dans la société, nous là pour nous assurer que le message arrive à atteindre la communauté, arrive à atteindre le pays, arrive à atteindre la population, arrive à atteindre certaines fois le gouvernement. Et voilà, alors, je ne sais pas quoi, j'ai un peu le monde qui a compris que nous fermons tête, nous carcan, ouais, un groupe X, un groupe Y qui parle de droit, non, absolument pas. C'est tant que, même dans l'émission que m'a animé sur télévision, mise au point, parfois c'est acteur qui m'a dit pour intervenir. Et les acteurs m'ont dit pour intervenir, nous créons possibilité pour intervenir. Et tout le monde qui fait émission avec moi connaît que. Nous seulement entendons nous sur plein émission, mais par contre, ça nous pral dit sous tel sujet, mais sous tel autre sujet. Et récemment, j'ai une émission avec comment il s'appelle, le nouveau secrétaire général du RDNP, c'est quand même dans le parti de l'opposition, et Jean-Baptiste. Voilà, nous avons plein d'émissions. Hein. Maintenant, c'est comme responsable politique, il est assumé, n'est-ce pas, ensemble de décisions, mais de ça, le pral dit, discours que le pral tenu. Dans le programme, non, et pas nous pour faire, et pas nous pour dire ça pour le dire. Alors, parce que c'est ça, là. Certaines fois, nous avons versé dans la logique dit toute bagaille, certaines fois, pour mener vers qui ça, nous pas connaît, mais pas que ça a dérangé nous-mêmes, sinon que, tendez ça que nous attendons, ça que nous corrigeons, nous corriger, ça que nous rectifions, nous rectifions, parce que là, c'est nous que là, je dis, mais pas nous qui là demain, et pas nous qui sommes là avant. Nous pas gagné pour nous, t'as qu'à dire, pas quitter espace pour moun kap vin après a capable continuer. Donc moi c'est ça l'idée, c'est ça que fait le niveau équipe pamnan, n'a pas assuré nous que ensemble de journalistes qui là yo moun kap vini yo. D'ailleurs je dis avec dynamique réforme l'état au niveau de l'OMRH, nous voulons à ce que c'est des compétences sûres, des moun qui qualifiés, n'est-ce pas vrai, qui intègre média l'état, qui intègre salle des nouvelles yo. Semaine dernière, on a un concours que direction information a été supervisé et dans tête collé direction générale et direction ressources humaines. Qui permettent que je dis à des jeunes qui prennent soit nommé ou bien jouent un contrat sous base qualification, sous base ça au capoté. Et là, ça, ou t'as qu'à dire, responsabilité à une plus intéressante pour ça parce que le connaît, c'est pas X, Y ou bien Z. Mais je regarde des commentaires qu'on fait sur Facebook là. Des gens qui parlent ça, on va connaître encore. Bon, mais c'est droit, vous dites, mais t'as toujours souhaité que mon yop plus positif. Si nous décidons, si qu'on quoi fait, mes amis, mon yop est dans le monde qui m'a choisi, c'est pas Edouard qui a passé. Mais même jeune parfois qui participe dans le concours, les abgats commentaires, on saisit tout. Parce que son bail qui fait dans toute la semaine prochaine, on va publier les résultats. Yo, et feuille disponible, il faut nous voir pour se faire au MRH. Et ça passe dans la radio nationale. Toi. Exactement. Alors je crois que Flash a toujours venu. Je crois que c'est un moment que vous pour me suggérer tout le monde qui a fait, quel que soit le travail qu'on fait. Les flèches vini, ce n'est pas courir pour courir. C'est garder qui ça qui est bon là-dedans. Et puis pour permettre que mieux évaluer soit fait comme travail de telle sorte que qu'avait une plus performant. Est-ce que ça qu'on arrive par rapport à en plein un événement n'a venu connait Haïti toujours une turbulence politique et chaque fois que média l'état eux-mêmes ils fait information tel groupe ta main c'est bon côté le voyer alors que c'est équilibre d'a de faire c'est ça arriver si situation li mouvementée et on pas faire information. Salle des nouvelles là les préoccupés et les me préoccupé par rapport à nous connaissons les parler des clivages politiques que traversent les journalistes je veux dire non salle des nouvelles ou quand il y a des journalistes c'est comme son leader politique lui. Ouais c'est ça justement travail professionnalisation qui j'en capable faire ou qui doit une position c'est mon ouïe mais côté le grave c'est lorsqu'on quitte position ça influencer soit fait comme travail là moi même je dois je me comprendre quand je m'appréhende réalité. À chaque fois que je vais sur la télévision, j'ai retenu, j'ai recul pour me gagner, de telle sorte que je ne vais pas déranger personne. Alors c'est ça. Et c'est ça qui m'a toujours rappelé, M. Damio, collaborateur Mio, surtout chaque fois qu'on a fait réunion de rédaction. Tout le monde qui est libre pour gagner les dépaillots sous ce qu'on a fait là, sous Jean Bayo a passé, sous Jean Opralé, non sens ou bien non l'autre. Mais attention. Chaque fois que je fais une entrevue, il faut m'assurer que, n'est-ce pas vrai, les gens qui prennent le garder, que la droite, que la gauche, s'ils parlent des méchants, ils doivent tirer le maximum de ça que je dis. De inviter que je gagne, de monde que je vais interviewer. Même si je fais un mal non sujet, n'est-ce pas, je finis d'entendre, il faut me assez de retenue pour me déceler le message essentiel.
Et c'est sous base message essentiel là, m'pral permettre que public moyen, monde qui pas là comprenne ça qui t'est passé, ça me t'est vive pour lui, que ce soit dans conférence de presse, que ce soit dans forum, que ce soit dans activité donnée. Alors bon relativité là dans message essentiel là, ça va donner qui monde qui va apprécier entre deux discours, si même quelqu'un qui plus violent, quelqu'un qui moins violent. Il y a monde capable comprendre message essentiel là et ça qui plus violent. Responsabilité journaliste là, les d'ordre académique, d'académie intellectuelle, dans le sens que vous assurez que ça va dire c'est des valeurs scientifiques. Responsabilité à tous les professionnels, dans le sens que vous assurez que ça va dire respecter principe métier. Les responsabilité à tous les face à la communauté. Journaliste n'a pas le droit d'induire communauté en erreur. Journaliste n'est pas là pour déranger la communauté. Il est là pour aider la communauté à construire. Il est là pour aider la communauté à gagner des pistes pour mieux analyser, pour mieux comprendre fait, pour mieux comprendre un jeu, pour le capable mieux comprendre acteur. C'est ça nous là pour nous faire et c'est ça nous devons faire. Et là et c'est sous base ça, l'homme dans une conférence de presse, l'homme dans un forum, l'homme dans une activité, dans une manifestation politique, culturelle, sportive, nous devons assurer que moi pas fait fi de responsabilité ça et qui pourrait permettre que traitement hein, l'arrivé répondre à samedi là yo. Et par ricochet, public là sorti lui-même avec un bagage qui est capable mieux aider vivre la réalité, à comprendre par exemple pour qui ça je dis à, par contre, un dollar, c'est ça lié par rapport à Goudla, pour qui ça je dis à FMI par exemple, rivé by et fait donc prêt ça, à gouvernement haïtien, et pour qui ça je dis à qu'on y a un grand bois dans la réalité. Alors, pourquoi c'est ça, job, l'on finit dans une nouvelle ou bien finit dans une émission dans la radio, dans la télévision, faut être capable de mieux comprendre. Même gens, je dis à gagner un cancer, son va frapper en pile dans nous, ouais, cancer l'estomac. Et je dis à c'est un cancer qui est très présent. C'est job nous pour nous former, pour nous comprendre que je dis à pratique, j'aime manger, je dis à. Gan pile pour l'ouè avec qualité maladie. Nous pas qu'un pays dans quoi Haïti qui a tout problème ça et puis n'a fait maladie pays riche. Non, bon problème dans jeune manger. Nous pas de conserve 20 ans de cela. Nous pas de gain qualité maladie ça au 20 25 ans à niveau ça. C'est job nous. Dès on l'aime des États-Unis, me garder m'a regarder une émission de télévision pour montrer monde couvrir cabane. Il y a montrer monde qui gens pour couvrir cabane. C'est ça l'idée. Moi c'est faut que nous revenons dans dimension côté nous vraiment montrer nous plus utile. Nous accompagner la communauté. Regardez qui ça besoin aujourd'hui, qui ça problème aujourd'hui, pour que nous pas seulement rester chita dans faire acteur politique qui parle seulement, parce qu'en plus fois yo parler, on demande pour parler pour dire qui ça, parler pour qui finalité, parler pour aller vers qui ça. C'est vrai faut que yo parler, nous pas capable faire parler, mais à côté de ça, nous besoin quand même garder l'autre besoin que société a gagné, l'autre réalité que société a fait face et puis porter petit contribution par nous et ça pral permettre que moun yo mieux comprennent qui comportement, qui réflexe, qui attitude, qui ça a besoin poser, qui capable permettre que mieux vivre et mieux gérer, n'est-ce pas vrai, espace côté à vivre journée. Bien on dit même pas ce jeune aujourd'hui à journaliste presque tout un otage acteur politique. Mais pas seulement Haïti. Nous sommes même tapsu dans cadre maîtrise journalisme là. Et puis une visioconférence et dans l'université Kiskia parce que nous avons 3 ou 4 visioconférences pendant ce cycle là. Et puis un journaliste chevronné en France, monsieur retraité, monsieur a dit jeudi à non on tient quelqu'un qui t'est mené là, on est en 2012-2013 hein. Et nous nous estimons que là après ça presque on a même ouel tant qu'on va à caniveau parce que on croit que il y a trop complicité. On dit otage dans la direction de complicité entre acteurs politiques et journalistes. Vous voyez, et puis on a posé monsieur la question. Distance complicité. Exactement, on a demandé monsieur ça. Je dis bon, ce que l'idée dit nous, c'est que monsieur rencontre souvent, il est dans le même hôtel, il est dans le même restaurant, il est dans la même église, il est dans le même club, etc. Il fait que il rencontre et malheureusement pour lui, pas gagné en démarcation. Vous voyez, pas gagné en démarcation. Tellement vins amis. Et puis, ils ont porté des amis dans le micro, ils ont porté dans la salle de rédaction, ils ont porté dans la télévision, dans le studio de télévision. Et qui pourrait le faire que, ils ont vu, sans se dire tout à l'heure, ils ont vu, ils ont donné otage de Mounsa. Ouais. Ça arrivait parfois, entendre des journalistes dans le micro qui ont dit tel acteur politique est amis. Ou pas, son monde pourrait parler des amis mal. Même si les amis font pas les doigts. Très difficile. C'est pas... Alors,
Et m'pense que je dis à fon rive mettez nous au-dessus de bail ça pour comprendre que oui André Marco Dije capable zanmim mais nan micro a besoin assurer que moi dis ça me doit dire moi dis la vérité toujours dire étudiant yo pas quoi je dis à gain ça relé l'objectivité d'ailleurs l'objectivité c'est un idéal on n'atteint jamais un idéal on tend vers un idéal mais nous capable honnête capable dire vérité de André Marco Dije avec un maillot bleu gain blanc là-dedans c'est ça me te de ouais pendant ma vie dans la radio il y a deux machines qui rampent devant moi ouais deux machines de ouais parce que de toute manière l'aime bra l'approcher question éducation vision du monde moi qu'a passé dans j'aime traiter là mais fait après t'es fait ou pas discuter on fait ré ton fait alors mais au fait lorsque qu'on y aura nos complices dans groupe donné ouais laisse ça ça capable déranger Sopraldia et qui quand même biaisé va là et qui quand même fait vérité qui doit passer en pas passer on pas qu'à battre la vérité là et là moi je pense faut qu'on frère moi yo fait preuve de plus prudence pour pas quitter complicité que on a avec acteur politique dans dynamique quoi et c'est quand même de bon droit beaucoup d'acteurs pour assurer que influencer travail ou pour assurer que certaines fois yo manipulé si m'ta ka dire comme ça et journaliste pour que ça cap dire l'aller dans sens pa yo l'aller dans intérêt pa yo intérêt groupe yo et qui ka permettre que l'opinion ouais yo tel gens ou bien tel l'autre gens mais c'est nous autres comme journalistes pour ne pas tomber dans piège ça pour nous connaître que premier souci nous c'est informer public là premier souci nous c'est porter vérité public là premier souci nous c'est assurer que public là mieux comprendre fait yo mieux comprendre réalité yo pour que pas gagne rien qui biaisé de telle sorte que moun kap gade moun kap tande yo capable plus ou moins saisir cerner qui sa situation y est pour que décision ou rien pour prendre que ce soit pour la vie yo que ce soit pour pays yo c'est des décisions qui bien orientées. Mieux comprendre le fonctionnement de l'appareil étatique, la société civile, les organisations non gouvernementales, pour poser les vrais problèmes du pays, identifier les contraintes, les défis à relever, Radio Nationale présente chaque dimanche, référence à cet espace, toutes les questions d'intérêt national sont débattues. Référence, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Nationale. C'est confrère collaborateur nous Jean-Serge Lindor qui avait parlé avec nous sur expérience et travailler dans métier journaliste là et puis façon média l'état yo télévision nationale d'Haïti qui côté la dirige information et puis tu passé dans radio lumière tout. Alors Serge nous avant d'aller dans poser nous t'a parlé des flèches qui viennent nous dédier ou même dans premier moment au tant Jean et bah au plus importance après ça on s'est venu minimiser par rapport à intérêt chaque monde tel monde d'avle télévision nationale d'adou tel côté ou pas maintenant moi-même m'parle sur discours qu'a véhiculé parce que média c'est instrument de vulgarisation que un discours qui tend vers le social et ou débat exemple les jeunes qui intègrent télévision nationale d'Haïti ont plus aller vers social que politique ils veulent pas démarquer nous des politiques là alors tout travail télévision nationale a fait sauce du là retour récemment télévision nationale a subi des attaques côté individu entré dans la cour et mettait du feu. Qui ont des situations là au-delà? Au-delà et c'est devenu difficilement. Et bon, souligner pour nous, aux médias l'État c'est quand même des institutions stratégiques et ceci dans tout pays sur la terre. Et si on regarde par exemple dans pays il y a un coup d'État, après on finit par parler national pour prochain côté aller c'est la média l'État. Et automatiquement que l'autorité est capable de parler gens le sous médias l'État, il est effectivement la charge. Voilà. Il prend charge. C'est le symbole de l'État. C'est un symbole. Que ne pas qu'à négliger. Alors, il faut que nous toujours songer ça. Vous voyez? Et ceci, moi, j'ai visité un des trois médias l'État, à part TNH, et pour gens moi organiser, nous avons le travail pour nous faire toujours. Même la question de sécurité, par exemple. La question de sécurité. Et je me souviens qu'un matin, il y a mal fait stage je vois de l'Amérique, Washington DC. Et puis, bon, pour me faire stage je vois de l'Amérique, je devais demander un dossier pour que FBI ait été screené, etc. Mais puisque dès que je fais stage là, le dossier n'a pas été venu à temps. Chaque matin, je suis obligé de faire photo
prenez pas le passeport moi et puis photo moi pour et puis un journaliste en service qui là vient accompagner moi. Puis on m'attend madame dans réception m'attend de venir chez bien le directeur général de l'Amérique là oublié badge. On est ils sont institution fédérale média l'état. Voilà. J'ai oublié badge. Sécurité on va pas bien rentrer. Et puis il y a les chefs sécuritaires. Les chefs sécuritaires obligé parler avec nous pour ba main levé. Monsieur est pour matin ça. Ou déjà tes cas. Question de sécurité. Entraînez. Pour vous trouver, dans la même zone, toute média à l'État, pour visiter, une zone stérile. Ouais. C'est quand même, c'est un symbole de l'État. Vous bon, souhaitez, à la longue, gagner plus de dispositions qui prend pour garder les médias à l'État, nous. Et on l'a dit, mais je souhaite tout, en plus de réunion, je participe, je souhaite finalement tout changer le régime média à l'État. C'est pas. Je souhaite ça. Et m'a tiré son document je m'a gagné pour me battre plus de détails sur ça même ça sur le régime n'a changé parce que on monde qui travaille dans la radio nationale et télévision nationale on pas capable même le monde qui dans l'autre institution l'état nous aussi me bon bail qui très même dans horaire de travail nous pas même je dis à aussi directeur information je dis à dimanche obligé dans micro demain matin des nouvelles faut qu'on ça va passer dans nouvelles demain matin dimanche ou t'as décidé à dégager la famille dans notre activité, on pas capable. Est-ce que je dis à l'organe des réalités qui viennent en fonction publique là, ou même qui directeur, à l'autre directeur dans notre institution, là encore, c'est des barrières qui méritent changer, qui méritent garder, n'est-ce pas? Même surtout, est-ce que je dis à vu sa média l'État représenté, vu l'importance que média l'État a dû gagner, est-ce que budget, patadou, on va vraiment que qui discutait directement avec le Parlement? Et puis voilà, qui t'a qu'à permettre que le répondre par rapport à toute sollicitation, par rapport à tout ça nous gagne comme demande. Et qui t'a qu'à permettre tout nous mieux vendre tout l'action du gouvernement comme média l'État. Nous gagnons ça à tout comme mission. Et puis présent, bon côté de la société à tout. Ça, c'est des qui t'a mérité garder. Est-ce qu'après, nous n'avons pas besoin de tout à la longue garder si nous t'a qu'à gagner, ça nous est un véritable conseil d'administration avec peut-être des acteurs de la société civile. Parce que, et c'est là que je vais revenir sur la question là, EDI. La télévision, la radio, c'est bien commun. Il faut mieux toujours songer ça. Est-ce que nous ne pouvons pas arriver dans certains moments que un véritable conseil, nous passer maintenant loi organique de l'institution SAIO, qu'on conseil d'administration qui la donne des personnalités de la société civile, qui peut-être nous avons plus recul, même sur le directeur général, est-ce que nous avons toujours nommé parité présidentielle ou bien l'autre mécanisme, ou bien qu'on a peut-être pour que ça pour nous un directeur général qui a un mandat. Je ne vais même pas aller dans le conseil mixte. Bon, tu as un conseil mixte, c'est un directeur, un conseil d'administration sous tête, et puis il y a un mandat lui-même, un mandat de 4 ans, 5 ans, ça le connaît. Il y a une mission, une feuille de route claire pendant 4-5 ans là, qui est capable de renouveler, dépendamment de ça, le bail comme résultat. Et puis qui t'a capable de mettre que au moins. Mais plus... ça, qu'est-ce qui va le poser problème là? Mais c'est job société. C'est là que je vais arriver à vous parler. Ce sont bien comme, c'est job société. C'est job acteur, organisation. Yo. Moun ki nan société civile, c'est job yo pour garder, pour faire des recommandations, pour faire des pressions sur l'État, pour que assure que, n'est-ce pas vrai, institution nous yo répondre à mission yo tout bon. On dit c'est job société, mais il y a tout, il y a des composantes dans la société à tout qui plus pour l'étui. Et c'est dommage. Faut, de leur même forme médialité va pas exister. Et mais c'est dommage. Bon, là encore, on va comprendre. Si le président Duvalier en 79 était jugé bon pour des bonnes ça. Oui. Et là, ça a l'air de Balia, donc t'es pas mis plus bon télévision dans la région. Hein. Voilà. Maintenant, et c'est comme nous tous qui fait la marché. Je veux pas. Est-ce que l'idée, je veux dire, c'est caser, c'est finacli, ou bien c'est renforcer, ou bien décider ça qui fait le pas marché, ou bien je ne t'as souhaité, pour qu'on attire l'attention des décideurs, pour qu'au final, gagner de bonnes actions qui fait, pour nous rendre plus utile, ou bien rendre plus près nous. Moi, c'est ça. Et c'est ça qui t'a arrivé 7 février, fait 13 février. Des groupes, un groupe moun rentre dedans, vin fait des gars au fer jusqu'à présent passe pas pour cacasse machine yo. Le événement produit m'était dans studio 2A, nous t'a fait journal midi et ça sont jeunes demoiselle ça le crie après bon, peut-être pas connait et pas comprendre réalité ça yo. Il y a tout ça dans métier à tout. Et puis journal a fait, nous t'a des workshop pour sur télévision. Hein. Généralement les dernières manifestations, me songe en 2006. Là t'es gagné émeute de la fin t'es pas bon ça faut mettre devant bureau direction générale là t'es pas wash il y a une manifestation pour une raison bien pour l'autre bon, malheureusement une société qui est très intolérante bon, surtout semaine ça yo tellement de passion en politique là quand pile intolérance si on pas parler ça mon a parler ou mourir trop petit beau c'est comme quoi mon oublier que je veux dire pas une pensée unique encore
tout le monde pas obligé de parler au même genre. C'est ça la démocratie. Nous avons toujours parlé au même genre, mais ça ne pas empêcher de parler. Au-delà de différences, nous avons parlé. Même si nous finissons par parler, nous pas d'accord. Mais nous parler, nous comprenons l'autre. Et la vie continue. Mais il y a des groupes, non, mais il y a des groupes. Et ça, déjà, il fait même. C'est dommage. Et finalement, même, hier, soir, m'a dit ça sur Radio Lumière. Pour moi-même, ça lui a passé par ça. Faut être d'accord finalement, Chital. Même si vous me bral doux, vous n'êtes pas d'accord. Même si vous me bral dim, vous n'êtes pas d'accord. Mais faut que Chital vous me dise une autre ligne. Et peut-être, même si vous n'êtes pas mérité planifié, parce que vous n'êtes pas parler, vous n'êtes pas dialogue et vous n'êtes pas fâché. Vous mettez cette tête cassée après. Alors, nous avons besoin de planifier le dialogue là, pour nous assurer que le dialogue là répond effectivement à sa reste population à obtenir. Et puis pour que finalement, nous mettions d'accord son projet. Parce que depuis après l'an, mois l'après, nous avons réfléchi au quoi que 17 octobre 2016, coupé quoi projet. Maintenant, depuis là, ça, nous n'avons pas de projet. Nous avons fait une émission avec Evans Paul, 7 février, pour nous retourner sur les tenants et les aboutissants de 7 février, regarder comment on va l'atteler. Nous avons posé une question samedi, est-ce qu'il y avait un projet? Puis j'ai dit, nous n'avons pas de projet. Euphorie, dictature tombée, puis on avance. On peut te bourrer. Et pas rien final. Et nous gardons, ouais, de 86 à jeudi, c'est quoi le projet? Alors, c'est pour dire que vraiment c'est ça. Nous avons débarqué dans Télia, nous avons mis du feu dans la machine. Heureusement pour nous, nous n'avons pas entraîné dans l'immeuble là. Il était tiré sous la cour seulement. Il n'y a pas de tentative pour aller. Non, bon, nous parce que il y a des examens. Il était mettait cagoule pas de visage et c'est ça qui était dérangé et en plus pas du monde planifié il paraît ça pas de manifestation dans moment pas de manifestation tu as cagoule zam dans main il tombé du feu de machine yo et vous voulez par exemple petit mobile là c'était très utile et vous voulez de l'autre machine il y a deux là donc c'est pour employer la machine vous voulez yo et pendant à bouler mais tu as la fumée sur la cour il y a une là de tirer. Pendant que je tirais, l'autre qui t'a accompagné, l'autre qui est arrivé à Tiffany, peut-être qu'il t'a rentré dans Tiffany, puis il arrivait derrière pour entrer dans l'espace là. Et par contre, qu'est-ce qui tirait? Puis il courait, il dit ah, pas rien, il courait. Et puis, monsieur tout quoi, il courait tout. Et puis, c'est le moment où la police vient apparaître, et puis voilà. Mais ça m'a dérangé. C'est parce que quelques minutes avant de ça passer, son station sœur, il y a un ami qui t'attendait, un collègue. Ton collaborateur, monsieur sous groupe Sale Nouvelle a dit attention, m'tendez sous telle radio, on mourait moun qui parle dit depuis rejoint journaliste 3 médias dont la TNH, bah c'était dans l'autre jour et a met dit fait à bouler. Monsieur dit non monsieur fais attention. Il dit fais attention bah ça. Et puis quelques temps après, quelques minutes après bah elle après arrivé dans genre dérivé là. Mais ça me dit monsieur me dit est-ce que t'entend pendant le vin dit ça journaliste qui parle avec là rappeler à l'ordre. Il dit mais ça pas dire. C'est ça qui te dérange. Et ça m'a tourné pour me dire que la TNH, c'est un bien commun. Quel que soit le monde qui l'a aujourd'hui, il y a un monde qui était là avant, il y a un monde qui l'a aujourd'hui, il y a un monde qui l'a demain. Et qui a toujours besoin de service télévision. N'est-ce pas? Nous avons besoin de renforcer, nous avons besoin de émission, nous avons besoin, par contre, je ne t'ai pas dit tout à l'heure, revisiter, organigramme, etc. Et travailler sur l'autre loi. Mais nous avons besoin pour permettre que l'on fait le travail que l'on doit faire. Alors, pas quoi là, c'est notre cas lié. Ouais, en pile fois nous croyons que c'est crasé bah la net qui pour résoudre bah quoi ça bon on a fait l'expérience avec l'armée d'Haïti en 94 parce que il y a de l'autre réalité qui t'a que ne pas rentrer là je veux dire là-dedans mais est-ce que je veux dire c'est crasé pour nous finir bah la net qui pourra le faire que après nous jouer ça n'a pas cherché pas fin quoi parce que quel que soit groupe en dans société capable toujours de remarquer souvent institution à évoluer. Alors l'idée à moi c'est ça la démocratie, c'est continuer à faire pression, c'est continuer à demander, c'est continuer à chercher, c'est continuer à demander, mobiliser de l'autre voix pour assurer nous que ça m'a souhaité, ça m'a aimé, j'aime ta remède là. Il vivait dans le niveau ça. Mais pendant tout pas négliger tout l'autre pour tout gagner, mais l'autre bagaille. Et c'est ça la démocratie à comme qui est intéressant. Et c'est ça que fait. Tolérance doit être toujours là. C'est ça que fait, n'est-ce pas, l'idée d'accepter l'autre là avec différence doit être toujours là. Et Dieu merci, non, pas de monde qui perdu la vie dans l'espace là. Machine yo roule, dégâts considérables. Ça va empêcher de monde qui dit c'est machine qui est en panne qui boule. T-Mobile là, pas de trop longtemps depuis le sauté fait direct. Tout le monde déconne, tout le monde connaît T-Mobile là. Tellement qu'on est le monsieur Amoué le Timari. Bon, bah, mon besoin de l'autre machine qui boule. Bon, ça me songe T-Mobile là. Ok? Et puis bon, même si on a dit machine qui panne, si la panne qui a rangé, bah oui. Et pas craser le casé. Qui s'en sagne la donne? Et puis, même, quand ça m'a pensé, pas gagner qu'à justifier, ça me quelle.
pas rien qu'à justifier pour mon porter atteinte à la vie mon ya bien mon quoi ça pas gagné pas gagné quel que soit reproche qu'on t'a fait mon pas gagné droit touyer ou pas gagné droit vle menacer la ville ou pas gagné droit ça personne mon alors c'est ça même toujours mené bas là sous niveau la, dialectique là ouais mais là tout faut questionner intérêt gagné de où ton monde pour un grand intérêt quand même questionner pour questionner intérêt pas nécessairement c'est l'argent il y a qui ça bon quand n'importe il y a toute l'autre bagarre. Mais quelque chose à intérêt à la vie monde pas de négocier et si on prend plaisir à détruire c'est qu'il y a intérêt oui mais comment même pas prendre bah choisir ça et je dis à rien monde qui disait toute qualité d'âme pour détruire monde c'est pas mais c'est ça fait même parce que faut finalement élite nous pas plus que semaine passée, m'étais obligé de retourner dans un livre que Jean-Pierre Espace écrit, qui parle de 100 ans d'ailleurs depuis le dépublié, La vocation de l'élite. Et Jean-Pierre Espace, moi qui suis passé, ça fait 50 ans depuis le mourir, son grand penseur haïtien. Mais évidemment, tout le monde revisite le livre ça. Parce que, je pense que l'élite, nous, si l'élite y en a, il doit faire preuve de plus responsabilité. Et Jean-Pierre Espace te dit, c'est y a un job pour orienter la société. Et si on ne fait pas, nous faisons carré dans le problème. Professeur de Restal te dit dans le cadre d'une semaine d'intégration, même d'après une sciences humaines, il dit une chose qui dérange, c'est parce que le c'est là où il a rentré dans l'université. Ce n'est pas l'université qui est dans la rue. Et c'est ça qu'on a vu aujourd'hui. Même dans l'église, dans l'église, je suis passé, voilà, dit non, on a un club D. Vous avez l'impression que c'est ça qui a fait de rentrer dans l'église. L'église a dû s'ajuster la réalité. Ça même il y a 50 ans. C'est ça le problème. Là. Tout le monde l'est semblé aujourd'hui. Il est ça qu'on a, et la société, le peuple a vu sans frein. Pas un monde qui a dit ça pour le faire, pas un monde qui a bal le temps. Je dis on a besoin des monde qui d'accord bal le temps. Alors risque c'est péril parce que c'est ça, c'est pour ça ou là. Et c'est l'exister. Parce qu'autrefois, les grandes situations données dans le pays, la situation est coincée, qu'on voit autorisé qui parle, depuis le balai autant d'elle. Nous manquons ça, je veux dire. Mais faut tourner là-dedans. Qui raison selon vous? Nous sommes doulis, nous n'avons fait même pas yo. Nous tous semblés, je veux dire. C'est comme si vous venez au caï, vous cherchez Timon, vous cherchez Gamou, vous bagarrez. Tout a fait même pas là. Et qui ne fait que, au final, qui est-ce qui a dit ça pour faire? Ça doit être fait. Mais j'en pour le fait. Par un dernier rempart, je vous dis, dans le pays. Et ça fait même passer. Et c'est ça. Là, il faut nous très prudent. Si ça nous gagne là comme ressource, comme institution, il faut nous protéger. Il faut nous protéger. Mythe tombé. Et là, mon société, côté tout mythe tombé, côté tout vous m'sez d'eau. Tout le monde croit qu'il a dit tout bagage sur tout le monde. Nous ne pas respecter les fonctions encore. Et n'importe qui qui n'a fonction, certaines fois, il n'y a pas. Mettez tout ce qu'il faut pour montrer que digne de fonctionner. Pas une dimension. Voilà. Pas une dimension. Et puis, il ne fait que des autres là, faites dans la fête là, ou entrez déjà dans le bonbon démocratique. Vous prenez. Nous pas peut-être mieux comprendre la valeur que la démocratie a charrié. Et je dis à la, et nous croyons tout le bagage. Nous, même dans le niveau pas nous, puisque nous n'avons pas de la presse. Parfois, j'ai l'impression sous base liberté de la presse. Nous baillons tête, nous croyons qu'à dissembler, nous croyons qu'à rentrer n'importe qui dans n'importe qui dossier. Sans oublier, c'est que liberté pas marcher sans responsabilité. Et chaque fois, liberté n'a pas une responsabilité qui accompagne, il tourne un libertinage. Et ça, qu'est-ce qu'on va généraliser? Alors, d'où que, et c'est pas pour ça raison de demander, mes amis, en nous revisitant ton livre d'un coup, La vocation de l'élite. Et depuis là, ça, 100 ans déjà, hein, ça fait 100 ans, en octobre, elle fait 100 ans. J'ai presque pensé déjà, mais qui ça, mais qui contenu l'élite la gagner, et mais qui sa responsabilité, mais qui sa job l'élite la, et l'elle pas fait. Et pas bien, elle écrit dans le contexte après l'occupation. La période d'occupation, on me dit clair. Moi, j'ai rencontré un journaliste africain, Washington. Je me suis identifié comme un journaliste qui a travaillé dans les médias d'État. Elle te dit, donc c'est toujours un privilège, c'est même un acquis, même le fait qu'on cap travaille dans les médias d'État dans le pays. Je dis au directeur d'information télévision nationale d'Haïti comme média l'État, où on fierté de ce qu'on a identifié avec TNH. J'en suis dit là, son privilège, pour que je dis à ces mecs-là, qui a servi. Et toujours mettre tête comme un serviteur. Vous voyez, un serviteur, comme un monde qui, bon Dieu, permette que, dans un moment ça, je réponds à la tâche ça. Et c'est ça qui fait que je n'ai pas la grosse tête. Quoi, chaque jour, Jean Bossuet dit là, chaque jour m'est offert de devenir supérieur à ce que j'étais hier. Je ne suis pas suspendre apprendre, je ne suis pas suspendre construire tête moins.
ne pas suspendre et apprendre de l'autre monde, yo, de monde qui est plus bon, yo, de monde qui a plus d'expérience, yo, de monde qui a fait le même travail avec moi. Yo. Et même quoi je dis à grand pile bail pour nous faire pour que pas seulement TNH mais pour toute institution nous privé ou public pour répondre beaucoup plus à attente pays à pour répondre beaucoup plus à sa population attente de et quoi c'est attaché à que ma clé moi et c'est attaché à un pile dans monde qui a un poste de responsabilité dans plus haut niveau à clé tout de telle sorte que nous capable garantir un plus bon demain pour que monde cap vini 10 15 20 ans a peut-être dit ou t'es fier que t'es un monde qui est là. Pourquoi c'est ça que nous avons faire? Il faut comprendre que nous devons agir sous demain. Agir sous demain par rapport à ce que nous avons posé comme action aujourd'hui. Et m'a profité de micro ça, m'encourager les jeunes pour prendre l'étude au sérieux. Pour prendre l'école au sérieux. Parce que ça lui a pas l'autre côté. Je dis à moi, arrivé là, après mon Dieu, après famille, mais c'est grâce à l'école. En 2013, l'homme t'a pris la promotion dans la télévision. Moun qui t'a pris la promotion, je ne pas connaît. Je ne pas de pratique de travail avec. Je ne pas de côté de rencontrer. C'est dans la télévision que je rencontré. D'ailleurs, DI a témoigné. Avant la promotion, je me suis fait direct. Kafou, dans le cadre d'un cyclone. Et puis, dans le moment, le directeur général adjoint, il a dit, ah non, mais qu'est-ce qu'il a de boire, monsieur? Est-ce que monsieur capable? Mais c'est quelques temps après ça. C'est pour nous dire que pas de quel rapport. Mais c'est sous base ça me produit comme travail sous base ça l'école fait pour laisse à tout moment tu connais monde qui était sur le terrain moi quand tu es je dis non ouais bon c'est pour dire que voilà c'est ça et c'est ça l'idée et moi crois que fierté après le vini après me quitter espace là dans le sens que résultat que me bail ça me quitter comme travail ça me quitter comme héritage il servit pour en plus de génération pour peut-être fréquenter TNH, que ce soit comme journaliste, que ce soit comme directeur d'information ou bien comme n'importe qui autre responsable dans l'espace là. Donc c'est là. Mais pour l'instant, je suis content de faire travail, je suis content de m'entendre ça, mon abdi. Je suis content de m'apprendre de beaucoup plus pour que je réponde à sa mission. Avant de faire mes missions, c'est juste de demander comme directeur d'information qui événement vous estimez qui n'est pas difficile pour vous. Pour décider. Est-ce que j'ai même difficile comme journaliste parce que avant me dire que formation de journaliste. Si gagne des faits, si gagne des bagages qui paraissent sous ta carrière difficile, toujours en mettant des ennemis. Si c'est vous mettre bien vous me relez vous mettre bien. Parfois si son bagage qui de l'administratif ou bien qui gagne pour peut-être aligner là pour le directeur général là monsieur Augustin. Il faut que moi dire que comme ça lui qui toujours permettre que l'attitude qu'on gagne comme responsable pour agir. Et même un bon maestro, il a le temps au niveau parle, mais c'est un directeur pour agir et garder qui ça et estimer qui est capable de permettre que le travail la fête et le fait, j'en le fait. Là, ça arrive, c'est l'attitude que ça me gagne. Si je ne pas quoi me dépasser, je me dis que je dois peut-être échapper. Ça qui arrive, gagner de faire et. Par rapport à Jean le produit, pas de penser le arrivé là. Là, ça, moi, tourner les yeux vers René. Vers les gens qui t'ont fait, qui t'ont fait responsabilité ça avant, pour me donner eux-mêmes comment vous comprenez, comment vous êtes capable d'avancer sous lui. Et puis voilà, et un bon journaliste nous fait ça de faire. Là, ça va pêcher, il y a des gens qui disent, dit que l'information est soumise à des régimes sévères. C'est-à-dire, qui est-ce qui doit parler, qui est-ce qui va devoir parler. On ne peut pas empêcher les gens de dire ça, vous voulez. C'est ça encore, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Il faut être tolérant. Les gens qui comprennent. Moi-même, on a une fois une émission. Une fois une émission. Je me suis dit que j'ai participé à une émission ça avec un chèque de grand pile audience. C'était sous 100 premiers jours président de la République. Avec mon confrère Monascoop, Gary et Pierre-Paul Charles. Même j'ai regardé des commentaires qu'il a fait sur Facebook. Gagnez comment finiment d'essayer de me parler. Okay. Moi, d'essayer de me parler. C'est de ça que je fais. Hein. Bon, on ne va pas empêcher ça. Et moi, parce que je dis, ah, bon, c'est dommage. La société a un peu de frustration là-dedans. Malheureusement, pas aider à canaliser la frustration. Là. Et ça fait penser qu'il faut travailler pour que nous créions richesse dans le pays. Ça. Pour nous créer richesse dans le pays, ça, qui pourrait le faire que nous avons moyen pour vivre. Vivre dans la dignité. Vous comprenez? Et qui prend le fait toute énergie ça qu'a gaspillé et qui a servi pour le pays. Ouais.
le grand ensemble de jeunes, et malheureusement, c'est dommage de le dire, ou par exemple, les ressources, si vous avez comme ressources là, on tire quantité de monde pour contrôler. Pendant que plus fort de monde va gagner. Comment vous le dire? Il y a toujours des gens qui tirent sur le monde, il y a toujours des gens qui tirent sur le monde. Parce que les richesses sont mal partagées. Là, on conseille de jouer à l'idiot pour veiller à ça. Pour qu'il y ait plus d'opportunités. Les sociétés ont plus d'opportunités, il y a moins de frustration. Les assassins ont dit là, on n'a pas besoin de dire encore. Tout le monde n'est pas obligé de venir en place André Marco Digéa, même si il n'est pas venu gagner. Ouais. Tout le monde n'est pas obligé de venir en place Egensa. Même si il n'est pas venu gagner. Alors, mais elle comme ça, pas une trop espace, pas une trop possibilité, pas une trop opportunité. Et puis, je dis à tout l'État arrêté, seul espace côté Mounio qui a affirmé tête yo. Comment il va faire l'autre genre. Même parce que c'est vers là pour aller. Là, encore, demandez-vous que M. Damio, dans le niveau de travail sur des politiques publiques, qui est capable d'adresser les problèmes. Mais là, encore, il faut entendre nous sur qui ça nous voulait pour payer à tout. Il faut entendre nous. La République Dominicaine te fait l'on-le. Après l'élection Balaguer, Peña Gomez, là, monsieur Damio Chita, tu as un gros problème en République Dominicaine, mais finalement, il dit un Chita, et la boche avec Balaguer, nous sommes coup d'état, tu es boche, tu es quand même pas d'appui à Balaguer de bonheur, mais finalement, il a raconté la hache de guerre pour le bien de l'équipe Yoa, et qui prend une répercussion sur tout le pays. Absolument. Il faut un document qui est la volonté de la nation. La volonté de la nation. Et ces documents-là définissent les grandes orientations du pays dans tout secteur. Je dis, mais qui ça voulait pour l'école? Mais qui ça voulait pour l'économie? Ça empêche aujourd'hui de faire ça à nous-mêmes. Ça empêche aujourd'hui à l'élite de Chita finalement, gélanger, sans faire coquin, avec bien entendu un sens d'engagement, sans se pousser d'engagement, avec un sens de la parole donnée, parce que nous avons des qui dérange nous tous. Ça ne finit la journée par l'indi la nuit, ou bien la nuit d'entendre nous son bagage, nous font l'autre bagage après. Qui vient faire que une paix, tout le monde paie tout le monde. Et pas rien de sérieux qu'a construit dans la méfiance. Pas rien de sérieux, même famille. Si madame a mari ou parent, c'est normal pour que y ait un problème dans le cas là. Et aucune bonne décision, pas prendre une répercussion sur Timounio. Alors, je dis, c'est ça nous. Même parce que même j'ai République Dominicaine, nous avons besoin de faire, je dis, plus que jamais, pour finalement nous entendre son projet. C'est ça que je souhaitais. Je ne suis pas grandi. Bon, qu'on fait 10 ans pour un pays qui est stable, dans vie un pays côté finalement, nous construisons un bagaille. Nous suspendons, nous bouquons un pays côté c'est tout le temps ces pompiers, c'est éteindre fait. Tout le temps c'est. C'est une jeunesse qui gaspille. Absolument. Mesdames et petites, je grandis là. Dans mes 15 ans, 2025-2030, je suis obligé de vivre ça, je vais vivre là. Dans mes finalement, nous chutons ensemble, nous posons des problèmes. Nous jeter, nous vider contentieux. Pile contentieux pour vider. Et tout est pas vidé, toujours bien ça vient là. Vider contentieux pour le bien du pays. Suspendre fait que intérêt groupe, intérêt mesquin passer devant intérêt supérieur pays. C'est un bien commun à Haïti. On souhaitait que monsieur Dam nous mette une dimension. Et là, qui est le média comme canal? Média capable de faire que mode message ça circuler le plus que possible. Média t'a de suspendre faire promotion de la haine. Je veux dire, il y a une promotion enragée qui a fait pour Raï Moun, pour Raï Group, pour Raï tel clan, Raï tel clic. Et qui ne peut pas mener aucun côté, parce que nous, ça a nous déjà comme résultat. Bon, ces médias ont facilité discours ça, discours qui a forcé l'élite Yoshita pour que vous baillez projet finalement, parce que c'est job yo pour projet ça, projet capable de tenir compte de qui qualité l'école, qui qualité économie, qui qualité agriculture, qui qualité santé. Je dis à Dieu seul, c'est si même avant de tomber dans le studio, qui l'hôpital qui est prêt au cas avec nous, pour nous faire un soin que Cannes n'a qu'à nécessité. Dieu seul sait. Peut-être que les gens qui, soi-disant élite, nous ne passent pas à courir en avion ambulance, mais parfois oublier la santé, c'est une affaire de seconde. Et quand ils n'ont pas mourir parce que n'ont pas été arrivés à Jacksonville Hospital. C'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui. Est-ce que nous avons quitté ton pays à mourir pendant que nous décidons, nous peut-être des matières grises là. Même je me crois tout. Par exemple, nous avons un rapport programme des Nations Unies pour le développement qui dérange. Puis, il faut ressources, nous pas en Haïti. Il y a des pays qui ont plus de médecins haïtiens que de médecins qui vivent en Haïti. Ça veut dire que, mais pour qui ça vous courir? Parce que nous n'avons pas d'opportunité. Parce que nous n'avons aucune garantie. Ouais. C'est le péché. Puis, gros péché, nous avons fait parce que nous avons fait un sacrifice à l'école, il fait université. Bon Dieu, nous avons possibilité de la fonte de travail pour nous aider pour ça. C'est le plus gros péché, le fait. Et puis par aucun côté, et puis parce que nèg la raille pour ça, il met costume militaire sous lui, là la radio, il dit tout bas sous lui, personne pas dit rien parce que on groupe lui fait plaisir. Mais ici nous pas connait cheminement.
Et c'est dommage. Mais tout ça est parce que pas un projet. Et deux projets à capable de découler le rêve haïtien. Je dis à gon American Dream, tout Américain qu'on est souffert ça la bossa. Je dis à qui ça pour faire pour réussir en Haïti. Qui compte nous bailler réussite en Haïti. Qui compte nous bailler succès dans pays là. Long jeune garçon décide de vivre la ville honnêtement. Il décide d'aller à l'école construire tête li et puis il qualifier pour répondre avec sa pays à ta doué attendre de lui. Qui espace nous fait pour lui. Qui j'en accompagner lui. Qui j'en nous aider. Mais tout ça fallon dans projet là. Mais pour nous venir projet ça faut une chita. Ça empêche une chita malgré différence nous pour que nous dit finalement on font l'autre bagaille. Parce que c'est celle moun fou de qui croit que s'il continue à faire même bagaille, il va venir l'autre résultat. Si vous continuez à faire même bagaille, il va venir même résultat. Mettez dans la vie pour après. Ou dépensez l'argent, même vous habituez à dépenser là. C'est normal qu'on arrive avant de faire mon rasé. Et justement, si vous venez dans deux ans, c'est conséquences sont aujourd'hui. Définitivement. Maintenant, c'est nous pour dire finalement, et nous croyons à ce niveau-là, nos amis de la presse, faut qu'ils soient plus responsables. Faut que nous, plus responsables, par rapport à la qualité des messages qu'on a véhiculé. Je dis à Fogon chute à parler au niveau de la corporation, au-delà de l'intérêt, au-delà de groupe. Pour qu'on dise, il y a un pays à sauver. Nous avons un petit monde, je dis à 4-5 ans. Nous avons leur 18 ans. Nous avons un bon espace. Un espace vivable. Alors, un espace côté monde capable de fonctionner. Un espace. Alors c'est pour qui paye après, ouais. C'est tout ça que nous chute à parler. Mais faut faire. Nous avons des gens capables de créer. Nous avons dit, attiser ça pour le faire plus vite. Média capable de servir de catalyseur, si vous voulez, pour que ça fait plus vite, pour que finalement, n'est-ce pas vrai, nous suspendons, nous sortions dans zone de turbulence. Il n'y a pas de aucun côté, d'ailleurs, nous avons expérimenté ça qui s'est passé aujourd'hui. Et nous avons dit, Evans Paul, ça dans l'émission 7 février, sur télévision, nous avons fait 86 ans. Est-ce que vous avez fait pour ça? Parce que, véritablement, de 86 ans, qui est le problème nous résoudre? Que ce soit dans l'école, université. Est-ce que vous avez dit, nous avons 20 ans l'école secondaire dans le pays? Est-ce que c'est une véritable université? Comme l'hôpital de référence pays, je veux dire. Et de ça, on a parlé. Mais est-ce que c'est une carte où chita dans la radio, à bail, moun parle, pour dire tout bagay, sauf ça? Justement, tu dis, qu'est-ce que ça, la bataille, nous avons un projet? Voilà. Si par un projet, c'est évident, parce que nous, là, toujours, on a marqué pas sous place, et puis tout le monde a avancé vos côtés, regardez la République Dominicaine. De même temps, déjà, président Medina a inauguré par rapport avec. Pour que cap fait l'autre bois n'a boucalde l'en besoin à l'en pack l'en besoin à l'hôpital l'en besoin à garde belle nous on traverser l'autre côté au bout ça n'a pas qu'à faire là ça qu'empêcher de faire là comme si nous toujours bataille sur des détails des détails pas fort important des détails on nous remet dire qui détails mais finalement détail n'a bataille là pour qui ça pour des miettes et qui pas servi rien qui pas servi collectivité moi même vivre un pays côté monde capable fonctionner tant que monde. Nous songeons que les ambassadeurs qui ont quitté le pays. Et nous avons dit que c'était un ambassadeur France au Canada. Il a dit, monsieur, suspend causer trois. Suspend causer, c'est comme chaque nappel. Finalement, il a dit nous tomber. Non, mais il est tombé là-dedans. Peut-être que vous allez d'accord que tombé là-dedans. Et vous mettez-nous toutes là-dedans. Mettez-nous toutes là-dedans parce que c'est élite. C'est job, élite politique, élite économique, élite religieuse. Élite intellectuelle, c'est job yo. C'est yo pour faire, qui pour bailler le temps. C'est pas société. J'ai besoin de rester à le dire. Et pas la RIA pour l'université. C'est l'université qui prend la RIA. C'est pas réflexe la RIA pour l'université. Même pas la RIA pour venir dans les médias. C'est radio à télévision pour prendre la RIA. Pour dire, mais ça va aller. Là, si nous-mêmes, nous avons possibilité, nous avons privilège. Son privilège. Même rentrer dans la radio Lumière. Bon, à côté son radio évangélique, alors, il y a une dimension ministérielle. Je dis toujours après moi, chaque fois qu'on parle dans le micro, son privilège, d'où nécessité pour préparer son bras le dire. Pour que l'on finisse parler, vous dites tout. Qui ça me pote? Est-ce que je fais une différence dans la vie de monde qui t'attendait? Dans qui sens moi accompagner en plus mon zao? Dans qui sens moi qui t'attendait mieux? Jouer nos bagailles qui n'ont pas de gain avant. Et qui permet que mieux construire tête. Et qui est capable d'aider à participer à la construction du pays. C'est de ça qu'on a parlé. Je n'ai pas un micro pour me dire tout ça. Je n'ai pas un micro pour feeling me passer. Je n'ai pas un micro pour me faire plaisir au groupe, au clan. Je n'ai pas un micro pour m'accompagner le pays pour mieux comprendre, pour mieux garder la tête dans le miroir et qui pourra le faire que la décision est bien pour le prendre. Non seulement pour lui, pour la famille, mais pour le pays. Là, il est dans le bon sens. Là. Merci à vous, Jean-Serge Nolé. C'est moi pour remercier ODI, André Marco Dijé. Merci parce que tu permets que nous fassions causer ça. Je souhaite l'hypothèse en plus dans la qualité de réflexion qu'a fait jeudi. Et dans la perspective pour nous faire bon, pour nous faire plus bon, pour nous faire dans l'autre pays. Et moi, c'est rêve nous toutes. On l'a de pays, quand elle fait bon pour nous vivre.
Sampin, c'est Jean-Serge Ignolenda, journaliste, directeur d'information télévision nationale d'Haïti, qui t'a passé l'idée avec nous. Je dis, sous expérience dans le métier journaliste, là, pratique, travail, non. Radio Lumière, télévision nationale d'Haïti, et puis qui, genre, société a ta doué fonctionner, qui rôle média ou tout a doué gagner pour accompagner la population. Merci tout le monde qui t'a écouté, merci à Jovens Laguerre qui est sur console là. Salut Georges, nous salut Bernard Boutus et puis tout l'autre monde qui t'a attendu nous. Nous pas oublier Madame Emma Labissière qui t'a attendu nous depuis New York. Merci en pile. Pour mieux comprendre le fonctionnement de l'appareil étatique, la société civile, les organisations non gouvernementales, pour poser les vrais problèmes du pays, identifier les contraintes, les défis à relever, Radio Nationale présente chaque dimanche, référence à cet espace, toutes les questions d'intérêt national sont débattues. Référence, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Nationale.